Regarde, c'est elle. C'est ma flamme jumelle. Elle est belle. Attends là. Non, mais c'est pas possible en fait ce que tu me racontes. Quoi? Là, tu parles de ma flamme jumelle. Ah. Bah ça serait vrai alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Bah, on m'a dit que, en fait, il n'y aurait qu'une seule flamme. Et que les flammes jumelles, en fait, ce serait une illusion d'optique. Hein? Quoi? Et que, en 2025, dans quelques semaines, il y a une rumeur qui dit que cette illusion d'optique qui n'a jamais été là va, bah, elle va sembler s'arrêter. Et là, c'est la libération de toutes les flammes jumelles. Ils appellent ça la fin des flammes juju. Bah, on a intérêt d'en profiter encore pendant quelques semaines alors. Pourra-t-on déprogrammer l'obsolescence programmée des flammes juju? Les médias s'affolent. C'est un formidable buzz médiatique. Tout le monde est concerné. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Plus de flammes juju? Plus d'intensité, plus de romance, plus de halètement, plus de mystère, plus de suspens. Mais de quoi les kikis vont-ils se nourrir? Et c'est là que le rêve se rêve, elle. La flamme qui enflamme sans brûler. Tu es à la fois la flamme et tu es le ou la juju. Le jumeau, la jumelle, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Je m'en doutais un peu. Ce cœur n'a pas de frontières. Ce cœur est pure lumière. Ce cœur est la joie de la terre. Ce cœur.